Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Oye yindi message de Mboso si la sortie officielle de l'Union Sacrée. Bande ko makamweza minene. Banda charte bimaki. Makamweza ka akubima. Cette fois-ci, Mboso alobi. Voilà comment l'Union Sacrée. Ma solo na ngonengezo kenda lo. Tous à la connecter. Peut-être qu'on développe en émission. Deuxième point chez téléspectateurs. Les chefs d'état-major au Nord Kivu et Paiwapi Bassini, les sous-contrats balobi, élargissement du rayon d'action Bandeko, des opérations phares de ces IPDF contre les ADF. Tolanda Bandeko, parce que, boko mona chiwenda zo kita n'aéroport, boko yoka ba réaction, ndenge na ndenge, parce que baza décidé et ba neutraliser ADF complètement. Alors, et puis, à Kenek Okutana, na ba délégation ya EAC. Tous à la connecter, peut-être qu'on développe en émission la bise. Troisième point, chers téléspectateurs, Boyoka Live, les révélations troublantes par un docteur sur balkanisation. Yango, Bozomona, Bambemba, Batunyon, Sobazo, travaille très dur pour déjà. Et ça m'a cambo déjà ça qui planifie. Mais tu es bien, solution qu'on soit. Tous à la connecter, peut-être qu'on développe mon émission n'abissou. Bandeko, émission n'abissou bandi, et comme tant tout cela ensemble, la situation politique à RDC. Dossier, il y a Union Sacrée, et ça qu'a connu ça. Le président de la République a vraiment sage côté wana. Nandenge charte bimi et puis ba signé ba tlokola ba bemba ba kamero ba zaoluka er moko ba poser ba kandati tout ça ba ontu ba ndimi kozala sima ya chef de l'état to makamweza minene to zomona ouverture mo makaminene moko ko salama ete mboka oyu evoke na direction kitoko parce que Union Sacrée bazana devise moko ensemble pour to tonga Boba boyaki, babo inaba. Mais Union Sacrée ba keti, komona ndenge ni ekomi lelo, bandeko, FCC pena pe azoka mwa, bandima kita ke Union Sacrée kuvanda. Parce que leba depite ba zo longwa na FCC ba zo ya ni Union Sacrée, message ya PPRD zale ke boko mona, batwana pe, bako kite me bavandi. Voilà, masolo kitoko. Ba sénateur, ba député, ba tebele, et puis maintenant, ba figure sika. Bandeko, na nouvelle moto ki Janine Mabunda, yé pa linga joint de Union Sacrée. Do makambo za mobulu. Hein? Do Union Sacrée zo zwane ba tutu. Parce que côté kuna, ba sole za esuta, FCC za woka woka. FCC nde bazana ko batikali le winde ko moko abi o monde nga bako ekenda ba bako ba partu na to akala bango ba okende ngon alo bandeko ezama kambu oyi fale ka kezala boyi comme ça Union Sacrée ba tongela biso mboka parce ba sangani autour de 145 territoires bandeko le pays sera embelli dans 5 ans tale to zo mona ngote mais tout le monde a yango parce que bazar la volonté bango nyonso alors totanga bon to avance message de Mboso sur la sortie officielle de l'Union Sacrée le 22 avril 2023 donc annoncé la sortie officielle de l'Union Sacrée de la nation Mboso aye koloba que ekozala officiellement le 22 avril Wanande mokolo oyo bako boko mona officiellement i bako prononcer ndeni bako lobalo Mboso aye kopesa bonne nouvelle na ba congolais ete
makambo za kitoko na ngamba kote kuna donc biso nyonso tozozela le 22 avril po eza moto bandeko alo tokomeka kotanga message ya mbusu toyibike bango na assemblée nationale bakoloba yango epi moto nyonso ayibi ke masole koza ndenge wana voilà le dossier o balubaka ekozala ya kuyinda kuna na assemblée nationale epi bokulanda yango en direct. Alors, la sortie officielle de l'Union sacrée prévue le 22 avril prochain, Christian Mbosso, président de l'Assemblée nationale, l'a annoncé à marge de la cérémonie de la signature de la charte de cette plateforme politique ce mercredi 5 avril à Kinshasa. D'après ses membres du Présidium, il est temps de démontrer à la face du monde l'existence de l'Union sacrée au travers de faits et actions. Dès que nous aurons signé la charte, nous allons nous mettre au travail et nous nous sommes retrouvés ici entre les camarades du Présidium et les camarades chefs des partis politiques. Il faut vouloir que nous sortions officiellement pour que le monde entier et le peuple congolais sachent qu'il existe réellement dans les faits et dans les actes de l'Union sacrée qui nous conduira comme membres d'une plateforme politique et électorale aux élections. Et pour la sortie officielle, sauf force majeure, nous estimons que nous pouvons nous produire officiellement le 22 avril, a dit Christian Mbosso dans une intervention. Bandeko, nouvelle kouyi. Le 22 avril, ezaya kouyinga, esi eyini, botalaka bato bazawan. Batundu, batunyonso do batiki na bango FCC, peperde do ezaya kupanzan. Nous invitons les présidents des partis politiques de sensibiliser nos membres des partis politiques, y compris les associations qui sont avec vous. Donc, balobi ke boyeb sa déjà au sensibiliser batou et mukolango masole kozala kitoko. L'Union sacrée de la nation va soutenir la candidature du chef de l'État aux élections de 2023. Donc, est-ce clair, bangotou? Bakozala sima ya fachi. Matcheza mobulu awa. Alors, en outre, l'autorité de cette organisation politique sera dirigée par un président composé de 6 membres. Il s'agit du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, VPM de la Défense Jean-Pierre Bemba, VPM de l'économie Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, du président du Sénat, Modeste Bayati, enfin du secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabuya. Voilà. Mais longa na sepeliawa. Ndenge Kabuya azara katia masulu. Donc, est-ce la propre Fatia Bosani IDPS? Parce que ça parti na. Alors, tomeka ko développer. Bande ko rendez-vous. Hein? Le 22 avril. Soko tikali Italie pour match za ya kuinda. Le 22 avril, biso nyoso na kati nyoso sacré. Donc, boy kanga date wana, parce que kozala koinda, to mona bango tunde bakuluba, ndeni bazo soutenir candidature à chef de l'État. Et puis ndeni ban bata msamboka ou, bande koton tol balika moko. Et loko bon ba sali wana, rassemblement mounene politique, hein, bande ko tala, bako dirige mboko plusieurs années. Ba continue kaka ndenge wana plusieurs années mboko kozala dirige ndenge wana. Donc kota de union sacrée masole ko avance parce que et bazo préparer déjà tu sais bino fachina 2028 fachia zolongo 2028 bemba koti a ça sur 10 ans 2038 ya kuna dante olobate totandike mais matcheza mubulu. Côté FCC, batutubaki, naba sénateur, babo chab, tout ça. Donc, nana sénat, majorité. Na, donc, partout, majorité, kaka. Si quoi, yo, son bon ateke, pena pepe, de ba la, li penza, libela. Donc, ne komoka lobi, hein. Pepe de FCC, ba koma lokola, abako. Boi ba partout, akalo, yo kana zouti. Ne kwa na commentaire na sexenga. Bon, alors.
soki tozo tala eza makambo eza sérieux bango bavanda parce bango bato babebisi pe na mboka peperde bakolo beloko te inyo sacré bakuti mboke kufa bazobongisa bakongolais soyez sûr que le programme à 145 territoires est la réussite mon total. Pourquoi tout le monde bon? Parce que les erreurs du passé, on comprend, non, on dit. Voilà comment on est bon ça. Un pays, on va s'engager pour qu'on soit bon ça, pour qu'on soit bon. Alors, on est tout en guillemets, on va saluer que nos camarades, les leaders des partis politiques, après ça interview avant même la signature, à lobby, que tous ensemble, pour tout diriger Mbokao, pour le bien-être de Congolais. Ta Congolais, pas aux Zomona. Mboko est un Mboka Moko riche. C'est parce que Zaki mal dirigé dans le passé. Tous à la clé. Mboko est Zaki bien dirigé. Naba ressources sont aux Anango. Ce qui nous a opéré à Rwanda, parce que Rwanda a zopillé, parce que Batigel est temps. Mais ce qu'on débat serré, nous avons été comme un problème parce que mon colocaco Rwanda va copier ici. Pendant que la Banque centrale est cotonda, il y a un sacanaté. Donc, bon, on pénise au côté. Voilà comment l'Union sacrée va autant s'amboka. Bah, besoin, on se en a besoin. Parce que le pays va investir, c'est ma couille, ma comme belé. Au lieu de vous à la cabine, on se n'est union sacrée. Vous avez une vision, mon so présent na longwe présent ou soit côté ka union sacré boza na vision moko mais ce présent ou soit outi quelque part ayo kota ati suma kamu deso donc c'est ça to souhaiter que ne bazu a liwa na union sacré tam samboka pour plusieurs années et avancer ka bongo biso to ko appuyer yango to ebisa ki bino ke ba konjo ba ko tam samboka Congo News 24, tu vas nous soutenir car la bino botam samboka bien. Au salaire, tu koloba. Mais ce que nous avons, nous avons avancé. Tu koloba bien et le mal. Et là, on a bien parlé de ce que nous avons fait bien, tu es salami. Kaka critique. Mais critiquer, mais ça peut. Le bapé a bien, basan. Voilà mission à Bissou. Otoke Nango. Alors, bandeko, tu l'as dit, Bissou, son bosso était 2000. Le 22 avril 2023, Makamu Kitoko, sortie officielle, ya union sacrée. Okumona, neni bako lance ba initiative, pona ba jeno bazangi misala, misale mwana na mboka, mboka oye change. To ebe tenzele za moulay, me, to kokoma, mokolango, paske, bazana volonté. So, compare bango, na gouverneur l'équipe bango bazo laksa volonté. Voilà, c'est à ce point. Tout ce qui est union sacrée, tu commences à un deuxième point. Bandeko, tu commences à un point de biso, Oyo, Chiwewe, Azana Nord Kivu, Pena Ituri, Ako Tambola, Kuna Nyonso, Koyeba, la situation sécurité. Bakutana Kina, Uganda, chef d'état-major Ugandi, Pona Basien, qui sur opération contre ADF. Bandeko ADF aza ko boma biso to tolo ba 123 mais ADF menaza ko boma. Jago sakanate. Et puis to zoma lokwa bato ba osa l'association de tolanda kana mission moko ete ADF na 123 pe ba koko sangana makambo to zomona na S. Bandeko ADF aza ko boma. Alors ba mona ke te les stratégies ba changer. Ba bengi yango élargissement ya opération oyo bazana ngo ba changer stratégie pour na ko anéantir ADF complètement ba mona na lisusu te parce que ADF bandeko abomi mingi alors soki tozo tala makambo boye ezo salama alors il est temps voilà été bango Bameka ko arranger la situation. Alors, il est arrivé beaucoup mona ndenga kitaki pe na avion pe boku yoka ndenge nini ba signer ba courant parce que ba sili sabato yo complètement. Si tu na irumu ba so continuer ko boma Mombasa partout Anituri
et au nord qui vous donne. Ba mon était ba changer système mais ba tout aux autres travailler na ba aux autres mon cola que ba autres travaillent mais ba za ba tout mon ko ba za ba double mission de ba za ke panabis Uganda Uganda zo sepela na opération za mabiti mais ba tout aux ça ba opération ba za ba traître mais gouvernement a le bien ça na chaté parce que az ennemi mon commun ba bunda na yi ADF na bisu ba rebelle ou ese Uganda na pays na bisu mais point ba au salon na Uganda ti yango to bon sa armé makasi partout armé azali ba to ba ko za plaster ba zo ke ne ba village a fin fond boyo ka suite pourquoi échec wana pourquoi ba zo bo makaba ta no ke bango ba zo passer ba zo ke ne fin fond place ba koma faire des azati yango ba konjibo bon se effectif a makasi nde bo sa na Uganda peuple congolais zo se pela na ete passe bango nde ba to osala biso ma besi ma invento alors bo sila na na bango bo operation oyo biso moto continue makamu su biso moko makamu ADF zo senga ka ke effectif bazala mo arme ma kasiti bango ka effectif comme ça place so mba ya ko boma ba kuti fardisi ozomona c'est ça. Donc, les gens qui ont fait la stratégie, ils ont fait ça effectif. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça pour ADF à Koma Kouezi. Alors, tout le temps, ils ont fait ça. Ils élargissement du rayon d'action des opérations FARDC et IPDF contre ADF. D'abord, le général ougandais a été convoqué par le ministre de la Défense. Il y a une citation en tout. Et puis après, Chiwawi a quitté la terre. Pour m'assurer, bana va signer un accord au Babenga Suja. Pour lutter contre Bade, pour que le leader soit à Siwana, Bande Kobaza Kobomwa Congolais. Je ne sais pas leur mission. Kakama Kile Tanga, Boye Bobomi Boliki, Bokozwe Loroni. Donc, ils appellent la diabolique. Les armées congolaises par des Ougandais ne sont pas opposé à l'idée d'élargissement du rayon d'action des opérations conjointes Suja lancées fin 2021 contre des ADF à Beni. Les officiers présents à la 4e évaluation tenue jeudi 6 avril dernier à Beni ont noté que 16 mois, les opérations ont permis de détruire d'importants camps permanents des ADF et neutraliser certains de leurs leaders. Tout d'abord, nous avons détruit tous leurs principaux camps permanents. Cela les prive de leur liberté d'action pour recruter, s'entraîner et cultiver. Ils sont désormais en fuite. D'autant comprendre que baza des bandades, mais baza bomakaka. Deuxièmement, nous avons réduit leur capacité à menacer les populations. Et troisièmement, les populations ont commencé à revenir parce que les ADF ne sont plus dans ces endroits, a expliqué le général Wilson Basu, chef d'état-major de l'armée ougandaise IPDF, qui a précédé la rencontre avec son homologue congolais, le lieutenant-général Christian Chiwewu. Alors, ce qu'il y a, c'est un cambo, c'est très important parce que, il y a un chef d'état-major à Kitakikuna. Alors, l'élargissement du rayon d'action n'est pas exclu à condition que la présence des rebelles soit constatée pour éviter de gaspiller la force. Nous avons discuté l'élargissement des zones d'action de la force conjointe, mais ça doit se faire par rapport à la présence de l'ennemi. On ne doit pas s'étendre seulement sur des surfaces, mais là où l'ennemi se retranche et nous avons constater sa présence, nous pouvons frapper, a déclaré le lieutenant général Constant Dima, gouverneur du Nord Kivu. Alors, voilà l'opération des Osalama. Ndima Zawana a lancé en haut, et puis ba signaki, ba contrat, ma kamonioso, boba renouvelé. Mais, problème est que nous travaillons dans Moutumoko, ou à Zambela Minomibali, double tranchant Ouganda. Koto a zo salabiso ma bé, koto to sala travail na. Est-ce que
makambu oyu ekokende musika, je ne crois pas. Parce que au fur et à mesure toza frisué na kota makambu ya M23 ADF comme à la même chose. Tala ba leader wana ba islamique ka ko boma ko kate mitwa ba congolais ndenge moni ba misa to ba leader. Ma leader muso so ba boma do ba luka ba leader ba ompe takanga ba. Ma PSG ba mbongo ebele pona numéro 1 na bango na bozo mona oza côté gauche wana. Do ye ko sakanati. Do ya za très danger. Alors makamboyo tolanda sikoyo extrait oyo et puis to mona arrivé ya chiwewe peto avancer missionnaire. Dès 18h heure locale, l'avion du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo atterrit à l'aéroport international de Goma ce vendredi. Au pied d'avion, le vice-gouverneur policier de la province du Nord Kivu avec le commandant des grandes unités lui réserve un accueil de son rang. Des honneurs militaires à la sortie de l'aéroport ont été au rendez-vous, ainsi que les passages des troupes en revue. Le lieutenant-général Chiwewe Songesha est en mission d'évaluation de la situation. Nous sommes en milieu de travail. Nous sommes les l'opportunité, puisqu'on fait souvent. Puis, au gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Komba, délancer un message d'espoir sur instruction du chef d'état-major général, son chef hiérarchique. J'ai appelé le chef d'état-major général pour l'évaluation des opérations en Genève. Il vient pour amener ici à Bini donc dans les Mandans. Et cela nous a pris aussi le temps de faire un demi-tour donc à l'Institut de la Mounia pour la continuation de cette évaluation qui s'est maintenant donnée les fonctions à Bini. Nous avons l'espoir. L'espoir est permis. De ce samedi, un travail plus affiné se fera à partir de la ville touristique de Goma. Question de réarmer le moral des militaires, mais aussi de réorganiser les troupes de l'armée congolaise. Mesdames et messieurs, bonjour. Des nouvelles stratégies vont être mises en place pour freiner l'avancée des rebelles des ADF dans d'autres nouvelles zones où ils opèrent, le cas de la partie sud du territoire des Beni. C'est l'essentiel de la première journée consacrée à la quatrième phase d'évaluation des opérations militaires sous Dja, menée par les FARDC et l'UPDF. Lors de la séance qui a réuni les deux chefs d'état-major des armées congolaises et ougandaises hier à Beni, il a été noté des avancées significatives dans ces opérations en dépit de la résistance de certains groupes rebelles dans certaines localités. C'est ce qu'a déclaré le général Constant Dima Kongba, gouverneur du Nord Kivu devant la presse. Il est au micro de Guylaine Kassassia. Nous sommes satisfaits du résultat de ces opérations. Plusieurs bastions des terroristes ADF MTM démantelés et plusieurs d'entre eux et aussi des leaders neutralisés. Vous savez, en principe, les terroristes ne cèdent jamais. Aujourd'hui, même les bastions et plusieurs d'entre eux neutralisés et ils tiennent toujours en petits groupes dans des villages isolés ou dans des champs parce que notre peuple est paysan. C'est là où ils nous font très mal. Raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés pour évaluer que faire. Vous savez, l'étendue de la zone d'action est très large et la couverture aussi fait problème. L'élargissement des zones d'action de la force conjointe, nous avons parcouru, mais ça doit se faire par rapport à l'ennemi. On ne doit pas s'étendre seulement sur des surfaces, mais là où l'ennemi se retranche et que nous avons l'effectivité de sa présence, nous pouvons les frapper. Aujourd'hui, vous voyez une frange des ADF s'est retranchée encore vers le sud. Alors, nous devons changer aussi le mode d'action pour voir là où se trouvent les groupes, là où se trouve le moins pour qu'on vienne à bout de ces terroristes. Rappelons que ces opérations ont été lancées le 30 novembre 2021 dans les territoires des Beni au nord Kivu et d'Irumu en Ituri pour neutraliser les ADF. Alors, bande Gotolandi, élargissement yaba action ba yokani ba sangana na IPDF ya Uganda. L'armée oyu biso même ngaso na otanga kombo wanizo na mona banga ndemo na ba Rwanda. Na babeo ba salabiso, me ba konzi ba lobi toza na shwati, toza na ennemi komen, tobunda na ansan. Me, toza na situation moko, oyu bango ba zana katia makambu wana, obe ennemi oba osabiso mabe. Bandeko, tozo ya na poa sukari. De revelation troublante,
par un docteur sur la balkanisation de la RDC. Batio va préparer Kala. Chose que, avec Dieu, nous vainquons. Mais toujours, il y a un point souk. Surtout, il y a un peu de Ouganda, il y a un peu Rwanda, ba pays où on a EAC, il y a un agenda caché. Mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Tous ont un dossier il y a ADF. Baza ko sala ensemble. Mais ba Congolais bazo sepela na Uganda ti. Et puis ADF on peut azo continuer ko bon. On a encore tué. Au moins je vous parle. Donc ce que tous ont là. Avance pas penate pour biso don dima. Ba to ko fal souti. ADF ko asu ko bon mati. Wa to ndimi. Mais tu as réduit la capacité de la capacité de selon capacité de rapport. Problème de la Ouganda de la capacité sincère avec la capacité. On ne peut pas continuer comme ça, tu travailler ensemble, tu as la capacité de 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 la rebelle na bino. De la capacité de la capacité na biso. Ozona. Rebelle à Rwanda. M23 azoya ko boma biso. Rebelle ya Uganda azoya ko boma biso. Totala biloko on n'a pas confiance de l'Uganda. Toko tikala ko za confiance na bango te et puis ba abonné ba ko za dako. Passe tozo mona ba sur makambo bile mais ba le but opération ba élargir la motiwe wazana terrain ba élargir ba signer et te ba avancer na. Eza ma bête. Mais Uganda pa me ko changer mon thème lebo so la na bango. Tout le monde a question. Fardis. Bon, tout le même Uganda, mais est-ce que nous avons 1,23 pour ça, si nous ou bien pas? Je sais que va avons. Mais en demandant cela, au monde, il y a un bateau qui va arriver. Il faut l'air que nous avons. Que tout le monde a un bateau qui va arriver. Le peuple est bien pour ça, si nous avons 1,23. Est-ce que nous avons. Et c'est ma cambo il est qu'un abuna gana bah tanga qui bino bokota qui boye bah il faut le mot tout na bango attends vous en opération ya ADF parce que bateau yo bandeko ça fait mal quand je vois tout ça. Alors voilà les dossiers où est tout ça non mais tout ça ça va congoler le komoko va conduire à l'obéboui inquiétude va congoler sur Uganda tu y es mais tout ça n'est ni mimo ko comme ya mon état au bunda naie au tout ça benga UPDF. Voilà la situation d'Engueza. Mais l'autre au Senga, Bandeko, Ba Congolais, Biso chafa tout tombe la ka bendele a farde. C'est ça la bango bien. Eh, mon farde, c'est bendele koyate. Bo avance na mboka, bo zalama yele na bo Ugandi. C'est à ce point. To tiki deuxième point, to komo kende na troisième point. Alors, bandeko to komi na point na biso oyo ya des révélations troublantes par le docteur Salé. Bokoyo ka docteur akuluba. Bandeko oba lubaka son. Il a un peu détaillé dans le calme aza ko expliquer comment l'armée au bazar est parti. Ça se voit comme balkanisation. Et ça qui déjà préparé en avance. Mais tu es bien, il y a possibilité de déjouer ou tout bon basalaki. A expliquer le déploiement, il y a EAC. A expliquer où ils ont salama pour le moment sur le terrain. Tant que vous l'avez dit, il a raison que bateau basaki pena na plan de organisation mais bazozo ba ku na bango bazozo ba kal na bango pa ndenge ni ba stratégie ba konti bazo kena. Il a expliqué voilà l'armée ougandaise, l'armée burundaise, tout peut s'exemple l'armée burundaise to banana bango bazala ki na sud Kivu. Na sud Kivu kope simite ba koki me ba reta barati. Alors que auparavant, c'est que Bango Basala na Sud Kivu. Mais ba koki ba rebelle burundeti. Bango na un, Bango pe ba ke nord.
et pas faciliter les alliés. Pour la nini koyo kanana 1-23, parce que ce qui se passe pour le moment, tout le monde a un pillage, un minéré, un kaboul. Uganda zozo, Rwanda zozo, yemoko chef, Burundi pas zozo, Kenya pas zozo. Donc il y a un pillage systématique qui va venir, ça se passe pour le monde. Na ba zone ba mbaza okomona 1-23. Siko bozo mona te ke za pena clair te parce que bango pourquoi bango ba ozo courage ko yebsa 1-23 tete non bokini. Donc quelque chose se passe. Non, pense à docteur Roy, il a raison. Il va expliquer pas ba congolais. Ça va vous choquer. Ce n'est pas possible. Bato bako préparé te kakabaya na mboka na biso ba kaboli kaboli muta muta benda ba sak na ba kolta muta sak na ba o tout se passe ba position ba zali nana yebu ezolika. Oui, Patrick Muyaya a assuré ki biso eti far de se akenaka na ba kote wa o ba lwa ki zone de tampo ezalukuta to yoka to tondima ndekalu. Mais le problème qui est là, comme Eza n'ango FARDC armé mobimbate, Eza ka quelques dirigeants EAC à FARDC, bazo tambola, donc il y a possibilité à ba yu yepeli, ba or, ba kolten katsa na ba pays wana voisin. Donc ba yema kaba or, les affaires, il y avait un plan de balkanisation, même à Teza en vigueur, tu. C'était déjà préparé. Donc on peut sa docteur. Comment bino 1-23 bozana bino à Sambozo kwa kolobaneti akichanga azawana na armée à Burundi ama Burundi a lobe lokoti na bunagana bazana armée rwandaise bazo lobe lokoti na kibumba bazana armée kenyan bazo lobe lokoti siko toko pesa docteur ça les raisonte. Voilà amer ko expliquer ango la situation na muzindo toyoka ibongo to avance. Les révélations troublantes par un docteur sur balkanisation. Beaucoup yoka et le docteur. Parce que, et sa possibilité, ou ils ont salama pour le moment. Donc, on a clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà le dossier. Alors, tant que tu yoka, tu comprends, qu'est-ce qui se passe juste? Mpona ye, mapinga mekolo Kongo Demokratiki, mangomo konde, makoki kotia kimia na monyele, ya etuka pambate, makanisi mabikolo. Bianzinga nzinga na RDC, mazalinse, makoluka kokabula mboka, mpeko zobo mengo na yango, mpeso ki baibazali kokamba, basosolite likambolie, mboka, ekokata na biteni biteni, na bapaya. Tuzaki maloba ma doktor na disale. Force ya Eastern African Community, oyo ya ba Ugande, eza deja na Bunagana, eza kosala exa. Exactement, na 1-23, ils ont coalisé et normalement il fallait retirer à 1-23 et à la effectif tout mon akaka faut que ça va Ougandé. Mais il faut tout le bac que la Kati il y a 1-23 rapport il y a ANR et à Nations Unies et à la qui claire causa déjà ba force à Ouganda. Donc wana c'est un peu comme si tozana dualisme tozana situation mongo compliquée parce que ba force à Eastern African Community bazana Eastern African Community pe bazali susu na kati ya 1-23. Donc il faut vraiment kota la bien politique nini ezo sale ma côté kuna. Donc na kanisi que situation ezo le cas eza situation a bien té il faudra que gouvernement congolais et ça l'a vraiment attention pour balkanisation et ça pour se tracer petit à petit si tout va saler attention. Bandeko, c'est ça choque. Nous avons suivi ce que Tali Bato Basala Baye Demoko mystique. Le docteur a ça qui est clair. Parce que Batu Oyo. Ba muta kwene na kwene na kwene tubuite. Mais pourquoi basa ensemble na 1-23? Qu'est-ce qui se passe au juste?
il y a les affaires qui se passent. Bas un esprit à balkanisation. Malgré Patrick Mouya a éclairé opinion, était faire des sacs dans la zone 1. Mais le problème est ça que 1-23 a le Makamoua bien-t-il. Mais tout le monde dit, oui, faire des sacs. Mais le problème est ça. Est-ce que faire des sacs à contrôle Yannios? C'est ça le problème. Est-ce que faire des sacs à contrôle Yannios? On tourne le bas, non. Comment se fait-il que tu as une armée kenyane à Kibumba? Un 23 hasard qu'on renforce dans les armes et les munitions dans les troupes de Rwanda. L'armée kenyane a été levée. Toke na Uganda. Bayina Bunagana. Bazo mona armée rwandaise RDF wana armée un 23. Bazo wana ba kite na bangote l'armée Uganda a été levée. Moko na moye publiquement, ils sont nos frères. Il faut négocier. Tu sais comprendre. Sautant de haut à la tout ça, le docteur a raison que bateau yo, basana boule à ma bé. Bah, qu'on dit bas ça l'attention des docteurs à l'oubli. Il faut que ma autorité va faire attention. Parce que docteur a touché ma pomme très important pour l'intérêt en beau cannabis. Yango, bah, qu'on dit bon, continuer qu'on somme ma arme à ma casse. Bon continue ko bongama passe makambo suka suka ezabitumba Uganda lo bakini ke abombine loko ya M23 do bangona bango makambo tozolo bango mingi de mission ezaba kongole bona mukatoye le bebe mission bo partager au docteur Saleh Alubi basoli na ila tu expliquer to continue boyete ba lobi ba kondimo sa la tension. Il y a les balkanisations qui se préparent. Bah, conduite au fond de la mission. Pays n'a pas cause à la division des Wanati. Bango Bayaki, pour l'offensive, bah, salité, interposition. Mais ce qui est grave, bah, je bête ma solo, n'a inventé. C'est pour cela, l'arrivée hier, à la délégation armée angolaise, bah, koukende kuna kota l'Union Sezoleka. Ad hoc à vérification. Bazana kata terrain pour le moment. Bako ye ba onyo se zoleka na Nord Kivu. Na kote ya EAC na inventou. Parce que on voit comme il y a quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas possible. Alors, ba Congolais, tout tellement pour la mboka. Et comme il tant ou bisous tous à l'ensemble. To dominer mon gouna to gagne match ouyo. Parce que ba meki biso mingi, ou tout ba salsa la moka na biso, biso to la moka. Voilà! To landi biso nyonso. Notre beau pays cause la jamais balkanise. To te calé, merci na signal, ba konzi ba konzi ba précaution nécessaire, ya ko vivre na batou. Parce que selon le docteur, il y a un plan qui se prépare. Tant à l'obiango, il y a des indices. Bisous tous au monde en collaboration na bangona 1-23. Ata un mot te kibo kite kichanga. Armée à Burundi. Armée Uganda, ata un mot te bo kite Bunagana. Kibumba, ata un mot ba kite te. Voilà comment ils se sont répartis. Il est temps. To bengana batou. Bobong sa farde se makasi, bosomba ba arme makasi arme ma. Mais Bemba alubaki makamo très important. Humiliation ou meli minge comme temps ya quoi agir. Je sais bien il va agir parce que azo convoqué ou da convoqué chef d'état-major Uganda. Alubera ki pe makamba 1-23 ndenge ba vande ensemble. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Yebisi, général Ugandi, ministre de la Défense, VPM. A lobby, na chef d'état-major na bango. Situation zone le cabinet na 1-23, ça qui te côté. Vous êtes là pour en retirer na bango, mais comment vous comptez vous bêta basou?
Voilà la situation. Alors, ma Congolais, dossier tous à l'angoisse. Et ça m'a tata. Mais ma conduite, ma langue, là, ok, non, bien, mais docteur à lobby, fais attention. Il y a un plan de balkanisation qui se prépare. Mais tu évites ma conduite et le côté. PA et DC ne sera jamais divisé. Ma conduite, vous allez fort. Vous lancez le message. Vous bande quoi, Congolais, tu l'as l'émission. Tu partages. Ce qui n'a nous. Ou s'abonner, te s'abonner na chaîne. Pe na chaîne, abso moussou, aide Congo Basan. Ma kambo zamine toye la binomik, biso yaga binobe information moko propre, oyo, et bo partage, pour mboka oye ke li poso, comme ça notre pays ne sera jamais balkanisé. Alors, bande konanga, c'est à ce point, comment clôturer mission abiso, bo continue ko s'abonner massivement, au revoir, à la prochaine.